told you I changed. Even when I knew I never could, know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed. Even when I knew I never could, know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. On va faire les devoirs. Tu viens? Ouais. Alors, les devoirs, bah c'est vrai que ça a un avantage, vu que bah, je suis professeur. Donc c'est vrai que s'ils ont besoin, ils peuvent me demander, je répondrai avec plaisir, je peux les aider. Donc c'est assez cool pour ça, quoi. Voilà. On veut pas les devoirs. Allez ici, ouais. Mais sauf que là, ce soir, ils sont pas concentrés. Donc bon, on va essayer de gérer. Adrien, t'as quoi à faire? Flemme. Oui bah flemme. C'est bien beau la flemme, hein. Mais faut le faire. Hein, t'as pas le choix. Hein. Mais en plus, je suis dans ta classe, maman. Oui bah peut-être, mais tu fais tes devoirs. Ok. Alors, ce soir, les enfants n'ont pas très envie. Ils sont un peu dissipés. Ils ont pas très envie, quoi. Ils ont pas... Non. Mais bon, faut le faire. Il y a pas trop de choix. Je pense que je comprends qu'ils préféreraient jouer à leur console, leur regarder à la télé, faire des figurines. J'en sais rien. Je comprends ça. Mais bon, les devoirs, c'est important pour qu'ils aient des bonnes notes à l'école. Même s'ils sont dans ma classe... même si j'ai trois de mes enfants dans ma classe, donc Adrien, Virginie et Marois, non, il faut qu'ils fassent leur devoir, même que ce soit moi leur professeur, leur maîtresse, il faut qu'ils fassent leur devoir. Michael, toi t'es en maternelle, t'en as? Bah non. Ok. Bon, Samuel, il est grand, il peut les faire tout seul, s'il a besoin d'un appel. Virginie et Marois. Quoi? Devoir? On n'en a pas. Impossible, j'en ai donné à toute la classe. Oh, d'accord. Allez. Bon, Adrien, t'as juste à lire. Allez, lis. T'as une page à lire. Bon, bah d'accord, je lis. J'aime pas les devoirs. C'est chiant. Ok, pendant ce temps-là, le père, il s'éclate tranquille, là, alors qu'il pourrait nous aider. Oh, mais qu'est-ce que t'as, gulé, chérie? Oh là là. Tu veux pas aider des enfants à faire les devoirs? Si, justement, j'allais aller voir Samuel, là. Ok, c'est bien. Vas-y. Oh, pouh. Ah bah, elle est râleuse, hein, ma femme, hein. C'est vrai, je suis chiante, hein. Mais les enfants doivent faire leurs devoirs, hein. C'est tout. Oui, et demain tu râleras pour autre chose. Oui. Bon bah d'accord, ok, oui, c'est vrai que je suis râleuse. J'assume. Allez, calmez-vous un peu, c'est bon quoi. Vous irez jouer après, ça prend 10 minutes. Regarde, t'as fini le toi. Oui, mais voilà, parfait, Marois et Virginie. Vous avez quoi comme devoir? Bah t'es notre maman et t'es notre professeur, c'est toi qui donne les devoirs. C'est vrai. C'est vrai, t'es en train de dire que je devais le savoir, c'est ça? Bah oui. Ok. Bravo, tu marques un point, c'est marrant. Bravo. Non mais t'as raison, c'est vrai. Mais les enfants, des fois, ils disent des trucs, mais le pire, c'est qu'ils ont raison. Donc je peux pas les engueuler. Même si ça paraît un peu méchant, un peu pas trop respectueux, je peux pas leur en vouloir de ça. Parce qu'il y a sur des choses qu'ils disent, ils ont raison. Et ça me fait rire. Et du coup, je peux pas les engueuler parce qu'ils ont raison. C'est pas possible. C'est vrai qu'il y a des choses, ils ont raison, donc je peux pas les embrouiller. Ah, t'as fini de te voir? Ouais, bah j'avais un exercice de maths, papa il a aidé, vu qu'il est fort en maths. Ouais, c'est vrai qu'il est fort en maths, le père. Ok, bon bah c'est bon, vous avez fini, c'est bon.
Adrien, c'est bon, je sais que c'est fait. Virginie et Marois, alors. Vous avez un exercice de français, c'est ça? Ouais. Ok, bah allez-y, déballez toutes vos affaires, on va le faire maintenant. Vous pouvez retourner jouer, vous. Ouais. Je me casse. Adrien. Parle pas comme ça, on dit pas je me casse, on dit je pars ou je m'en vais. Oh là là. Les enfants sont très dissipés ce soir, ils ont pas envie, ils sont pas dans le mood pour faire les devoirs. Donc bon, on va les faire tant bien que mal, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Samuel, bon, je suis sûr que lui, il les fera sans hésiter, je fais entièrement confiance. Voilà quoi. Après, bon bah... Virginie et Marois, les deux filles, elles me disent des trucs, mais elles ont raison. Voilà. Après, bon, bah du coup, elles vont quand même faire leur devoir, elles ont pas le choix. Mais franchement, des enfants, faut les gérer. Et quand ils sont très dissipés et pas dans le mood qu'il faut, c'est encore plus difficile. Après, c'est le soir, ils rentrent de l'école, ils sont un peu fatigués, c'est normal. Je peux comprendre ça aussi, mais bon, il faut quand même qu'ils apprennent à gérer leurs sentiments, quoi, à se contrôler. Bon, allez, go. Ouais, comme tu dis, maman, go. Chérie, si on s'occupait des papiers pour la crèche. Ouais, si tu veux. Alors, dès septembre, les enfants vont rentrer à la crèche. Et donc, il faut qu'on remplisse des papiers pour l'admission. Mais sauf que je comprends rien aux papiers. Donc, bon, comment je vais faire? Je sais pas. Mais bon, il va m'aider. Wesh, mais je comprends rien. Mais je comprends rien. Quoi, qu'est-ce qu'ils disent? Ok. Alors, on a fait le choix de pas mettre nos enfants à la crèche jusqu'à présent parce que il y a eu la pandémie, il y a eu le Covid qui nous a touchés. Ils étaient en crèche, mais juste avant le Covid, on a décidé de les arrêter, pile pendant le Covid parce que on s'inquiétait quand même assez pour leur santé et j'ai préféré les garder à la maison je préférerais qu'ils soient chez moi à courir partout à foutre le bordel qu'ils soient en crèche et qu'ils tombent tous malades parce que à cause de ce satané Covid qui nous a forcément touchés. Donc c'est vrai que c'était mieux pour moi en tant que maman de les laisser à la maison tout ce temps-là vu que à cause du Covid quoi. J'adore faire des papiers. Je comprends rien. Oh, je vais t'aider chérie, t'inquiète pas. T'as raison Senzo, tu vas m'aider parce que c'est aussi tes enfants. Oui, c'est bon, fais voir ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Veuillez remplir le formulaire. Nom, prénom, tu mets le nom et le prénom des quatre. Oui, ça j'avais compris. C'est après j'avais pas compris. De quoi? Il faut une assurance. Une assurance maladie. Ah, mais oui! Mais je sais pas c'est quoi, le numéro. T'as des papiers, tu peux regarder dedans. Oh, flemme de chercher tous mes papiers. C'est pas grave, j'ai deux jours pour leur envoyer. C'est bien. J'adore faire des papiers. Mais j'y comprends rien. Regarde, t'as presque fini, c'était facile. Eh ben, heureusement que tu m'as aidé. Alors, remplir le formulaire. Nom, prénom, assurance. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Photo d'identité? Mais après, il y a un truc, je comprends rien. Oh, t'inquiète pas, écoute. Ah, il faut une photo des quatre enfants avec leur prénom en dessous. Ok. Ok, d'accord. Ensuite, faudra signer. Ah, on a fini. Magique.
Au final, on réussit tant bien que mal à faire ses papiers. On a réussi, donc c'est cool. Viens, on va s'occuper du hamster, tu veux ? Oui ! Alors, le hamster. Le hamster unit, ça c'est une grande histoire d'amour, c'est son hamster. En plus, c'est vrai qu'il est trop mignon. Et on a décidé de prendre un hamster, comme ça, bah ça responsabilise un peu Nils. Parce qu'il voulait un petit animal de compagnie, on lui a offert un hamster. Et du coup, bah ça peut le rendre un peu plus autonome, il s'en occupe, il lui donne à manger et tout. Et donc, ouais, vraiment, ça peut vraiment... un petit animal, ça peut vraiment responsabiliser vos enfants et les aider à les faire grandir. Zéphyr ! T'as vu, il est là, Zéphyr, il est mignon, hein ? Oui. Oh, il a plus d'eau dans son biberon, tu veux lui aller lui en remettre ? Tu peux y aller, papa, si tu veux, allez, j'y vais. Bah, je m'occupe du hamster avec Nils, comme ça, ça me permet de passer un petit moment avec lui, seul avec mon fils, et ça fait du bien, franchement, on profite tous les deux, je passe du temps avec lui, et ça fait plaisir. C'est important pour moi et pour nous, Tani aussi, de passer du temps avec chacun de nos enfants, que ce soit les deux grands, que ce soit Zoé ou Nils. En revanche, là, c'est un moment privilégié entre moi et Nils, on s'occupe du hamster, donc je pense que ça lui fait plaisir aussi. Donc, c'est vrai que c'est cool. Ah là là, remplir de l'eau pour un hamster. Qui fait ça? Bah, tous ceux qui ont un hamster. Non, mais franchement, il est vraiment trop mignon, Zéphyr. Mon petit Zéphyr, t'es trop mignon. Oh, regarde mon petit cœur. Et voilà l'eau pour petit Zéphyr. Ouais. Tiens mon beau. Bois. Ça fait du bien. Il est mignon, hein. Mais oui, il est trop mignon. Le hamster Zéphyr, il est trop mignon. Bah franchement, papa et maman, quand ils m'ont acheté le hamster, j'étais trop content parce que je m'attendais pas à ça. Je voulais trop un petit animal de compagnie, mais je pensais jamais avoir un hamster. Mais vraiment, il est trop mignon et je les remercie tout et tout, je papa et maman. Oh, faudrait le faire jouer dans une de nos séries ou films. Pourquoi pas, effectivement. On pourrait. À la recherche du hamster disparu. Voici le titre du film. Nils, il fait trop rire. Je pense pas que le réalisateur sera d'accord pour tourner un film avec un hamster. Hein. Je pense pas. Je pourrais lui demander, mais ça m'étonnerait beaucoup même. Oh oui mon bébé. Ouah. Alors ça fait une semaine que je suis rentré de la maternité. Et donc Aiden grandit tellement vite, je vois pas le temps passer clairement, enfin voilà. Et avec Manon qui est difficile à gérer aussi, c'est un peu compliqué de s'occuper de tout le monde en même temps. Oui Manon, 2 secondes. Qu'est-ce qu'il a? Bébé. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Hein? J'arrive. Je pense que Manon, elle aimerait avoir un peu plus d'attention. Je pense qu'elle n'a pas l'attention qu'elle aimerait avoir. Donc c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Et bah on a 2 bébés à la maison, Manon a 2 ans. Manon, c'est vrai qu'elle a que 2 ans, c'est encore un bébé. Elle a encore besoin de moi, de ses parents, de quoi. Et je pense qu'elle ressent en fait... elle ressent qu'il y a un nouveau membre dans la famille et je crois qu'elle a l'impression qu'on la laisse un peu plus de côté et bah si elle a cette impression de là, moi ça me fait trop de peine quoi, clairement.
Ouais, puis moi aussi, ça nous fait de la peine à tous les deux, parce que, bah, Camille, elle doit s'occuper du bébé, donc du petit Aiden, mais aussi de Manon. Après, les trois grands, Naga, Victor, Manon, ils peuvent s'occuper tout seuls, mais deux bébés, deux bébés, dont un de 2 ans et un autre de quelques jours, c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Ah, viens voir papa. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux plus d'attention? Eh ben voilà, c'est qui, tu rigoles enfin? Eh ben oui, ça tu voulais, hein, coquille. Et donc là, j'essaie de prendre un peu Manon avec moi et de lui donner un peu plus d'attention, parce que je pense c'est ce qu'elle a besoin, c'est ce qu'elle veut. Et donc je réussis à la faire rire, donc c'est cool. Je suis très fier d'Antoine, parce que moi, ça fait 3 jours je prends tout avec Manon pour qu'elle soit mieux, pour qu'elle arrête de pleurer, pour qu'elle se calme. Je fais tout, je fais à ses besoins. Ça marche pas, donc Antoine, bravo chérie. Merci mon amour. Oh, et ben voilà, ça va mieux toi? Eh ben dis donc, tout ce cinéma juste pour un câlin, moi bébé, ça va? Non mais dis donc, coquine, voilà. Bon ça va bébé, il donne une drogue, hein. On fait quoi maintenant? Je vais avec toi, hein. Oula, toi tu veux que papa, hein? Ok, ok, bon. Bah putain mon bébé, moi. Ben voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Biberon? Eh ben, oui, je te fais biberon. En ce moment, c'est vrai qu'Amy, elle est difficile à gérer. Elle pleure beaucoup, elle est dans une période où elle dit tout le temps non, non, non. Elle grandit, quoi, elle va avoir 2 ans. Donc, à cet âge-là, c'est vrai que on dit souvent non. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué au niveau stabilité, donc la team est avec moi, donc il va pouvoir essayer de gérer aussi un petit peu, parce que moi il faut que je prépare le repas, parce que bon bah les enfants vont bientôt rentrer de l'école, on va bientôt passer à table aussi, donc je prépare le repas du soir, donc je peux pas m'occuper de ma d'Amy du repas. Parce que sinon, bah, si je laisse le repas sans surveillance, ça va cramer. Donc, du coup, il faut trouver un juste milieu. Et le juste milieu, c'est Tim. Bah, c'est sympa. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vois ça? Biberon! Biberon, ah bah oui, ça t'aime, hein, biberon, hein. Allez, tiens. C'est vrai que préparer un repas et s'occuper d'un bébé en même temps, quand on est tout seul, c'est du boulot, mais là, vu qu'on est deux, ça va aller un petit peu mieux. C'est vrai que maman, que Amy, là, elle commence à avoir un peu soif, donc du coup, voilà, Tim va, bah, il va essayer de, bah, il va là, lui donner à manger, quoi. Avec moi, elle a pas dit trop, non? Eh ben, écoute, elle te préfère à moi. T'es jalouse? Non. Non, non. Alors là, c'est un bébé, je veux pas être jaloux d'un bébé, écoute, elle va avoir 2 ans, écoute, à cet âge-là, c'est normal que ce soit un peu ronchon, un bébé. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que Amy, en ce moment, elle est très compliquée, elle dit souvent non, mais là, avec Tim, bah, elle t'a pas dit non à toi. Pas trop, non. D'accord. Ah, bah oui, ça t'aime, hein, Bibro. Péperon. Bah oui, hein, oui. Bibro. C'est vrai que c'est une organisation de fou. Faut être organisé. Quand on est une famille nombreuse, on a quand même pas mal des organisations. Donc, il manque un manque d'organisation chez nous. Il faudrait qu'on apprenne à se réorganiser parce qu'on a quand même 4 enfants. Faire à manger, s'occuper d'un bébé qui va pas encore à l'école. Donc, voilà.
plus il faut aussi ranger la maison, faire le ménage, ça fait beaucoup en une journée aussi, il y a des fois il faut faire des courses, c'est vrai qu'en une journée ça fait quand même pas mal de trucs à faire, mais bon, c'est juste une question d'organisation et voilà. Bon, les enfants, vous pas tarder de rentrer, le poulet, ben, je vais commencer à le préparer, hein. Et bon. Ah ben ça t'aime hein, c'est bon? Oui. Au miracle, elle a dit oui. Elle te dit pas non à toi. Mais moi c'est parce que je lui ai donné le biberon, c'est pour ça. Ah d'accord. Les enfants, venez voir papa et maman, on va vous expliquer quelque chose. Vous venez? Vous écoutez papa Senzo? Papa Senzo, oui. Alors, vous écoutez papa et maman? Oui. Alors, avec Laura, on a décidé d'expliquer aux enfants qui vont aller à la crèche et à l'école à partir de septembre. Je pense qu'on fera le matin à l'école et l'après-midi peut-être à la crèche. On verra comment, suivant comment ça évolue. Et donc on va expliquer ça aux enfants là maintenant. Laura prend les filles et moi je prends les garçons. Donc team garçon versus team fille, team beau gosse vs team girls, team beau gosse. Non mais non mais l'autre. Ben quoi, c'est vrai, hein, faut se l'avouer, hein, les deux garçons sont trop beaux et moi je suis trop beau aussi, donc non mais l'autre. Écoutez, venez, vous savez, en septembre, donc d'ici quelques mois, je vais l'emmener en février, mars, avril, tu comptes? Mars, avril, mai, juin, juillet, août, dans 6 mois, d'accord, après l'été, vous allez aller à l'école avec la maîtresse. Vous savez, vous allez dire bonjour maîtresse. Vous voulez? Alors, on va à l'école en septembre. Oui, vous voulez maîtresse? Bonjour maîtresse, vous allez bien maîtresse? Oh putain, il m'a fini de sortir ça à la maîtresse le premier jour. Ouais, c'était folle. Bah quoi, c'est vrai non? Il y a des fois avec les quadruplés, faut s'attendre à tout. Ils disent des trucs, il y a des fois ils sortent des trucs, on s'y attend pas quoi. Ils parlent, ils commencent à parler, ils ont un petit retard aux paroles au niveau du langage, mais ils commencent à parler. Mais quand ils parlent, c'est quand ils parlent, c'est vrai que il y a des fois où ils disent des trucs. Trop drôle, donc je stresse assez quand même pour quand ils vont aller à l'école, comment comment ça va et comment ça va se passer quoi. Je stresse quand même un peu. Maîtresse? Oui maîtresse, tu vas apprendre à compter, à écrire, à faire des dessins peut-être, regarde. 1, 2, vous êtes combien là? 4, 1, 3, tchao bébé. Oui, c'est très bien mon grand. Ha, très bien mes grands. Voilà. Alors, donc, c'est bon? Vous avez compris? À l'école. Hein? Oui. Ouais. Je sais pas si ils se rendent compte qu'ils vont aller à l'école. Mais bon, on va les préparer. Hein. Il reste 6 mois pour ça. On va s'y mettre... dès maintenant d'ailleurs, voilà, donc je pense que bon, ils prennent peut-être pas en compte, mais je pense qu'ils entendent, ils ont peut-être un peu, je pense qu'ils ont compris ce qu'on leur a dit, on leur a expliqué, ils prennent peut-être pas en compte, ils sont peut-être pas conscients, mais au moins ils ont entendu. Oh putain, faut que je me relève maintenant. Eh ben oui, hein, papa, il est gros, hein, il peut plus se lever, hein. Il est trop vieux pour s'asseoir par terre. Come.
Ça va? Oui. Ça va, ton scooter, il va bien? Très bien, je vais aller faire un petit tour de cours là, maintenant, pour m'entraîner. Maintenant, tout de suite, là? Oui. Oula! Alors, il y a quelques jours, pour l'anniversaire des jumeaux, on a offert un scooter à Maxime, parce qu'il en voulait un. J'étais pas trop pour au début, mais Alexandre m'a convaincu. Le scooter, happy birthday to you. C'est-à-dire que tu veux monter maintenant sur le scooter? Oui. Je suis pas très rassuré. Mais si. Si. Et donc du coup, on lui offre avec le BSR. Donc là, on lui a offert le scooter avant. Comme ça, on est sûr qu'il passe le BSR. Mais je suis pas rassuré, moi. Dès qu'il monte sur un scooter, je stresse. C'est dangereux. Donc, mais bon, après, il est quand même grand. Je pense qu'il peut assez, il peut être assez facilement. Il est grand, quoi. Il va vraiment faire du scooter, là? Maintenant, tout de suite? Écoute, il s'est fait pour ça. Mais il a même pas son BSR! Il va le passer bientôt, t'inquiète pas. Oui, dans encore quelques jours, quand même. Oui, il s'entraîne sur son scooter, c'est bien, non? Ouais, t'as raison. Maman, elle stresse vraiment pour rien. Elle a peur à l'idée que je monte sur un scooter, mais j'ai 14 ans. À 14 ans, tout le monde peut monter sur un scooter. Voilà, très clairement, quoi. C'est ma mère, elle s'inquiète toujours pour rien. De toute façon, elle est comme ça, ma mère, elle changera pas. Elle est pas à l'autre sur des choses, mais bon. C'est ma mère, et des fois, elle est drôle. Surtout quand elle dit des trucs. Ton casque, il est où ton casque? Il est là. Allô? Oh. Ah oui, c'est bon. Allez, go. Hein. Je suis pas rassuré. À plus. Faut bien que je m'entraîne, moi. Ouais. Hélas. Doucement, tu vas trop vite. Oh. Mélanie. Mais quoi, c'est vrai, il va trop vite. Il est où? Il a disparu. Il est tombé. Arrête, calme. Coucou. Te voilà. Bon, allez, je vais en ville, je reviens. Quoi? Mais t'as pas ton BSR, tu peux pas. S'il y a les flics... Ah ouais, c'est vrai. Et oui, ta mère, elle pense à tout tellement elle est forte. Elle est intelligente. On aurait dû lui offrir un vélo. C'est moins dangereux. Allez, bébé. Eh ben oui. Parce qu'il faut bien qu'on mange, tu sais. Alors, aujourd'hui, c'est le jour des courses. Et donc, j'y vais tout seul avec le petit aïeul. Comme ça, ça le promène. Et pendant qu'Antoine est à la maison et garde les autres enfants. Hein. Et donc, j'essaie de me diriger vers les promos. Mais sauf qu'il n'y en a pas beaucoup. Oh, c'est cher. J'ai un budget. Parce que bon, il faut pas tout dépenser pour les courses, il y a aussi les factures à payer. Mais j'ai peur d'exploser mon budget, quoi, tellement c'est cher. Ça va, Julien? Ça va. Tu fais quoi? Je me prépare à aller à l'université. Ouais. Alors, Julien repart bientôt à l'université. Parce qu'il est en fac de droit. Et donc, il a eu un mois de vacances. Donc du coup, il en a profité et il est resté pendant un mois à la maison. Hein. Parce qu'il y a eu les grèves, tout ça. Et puis, il a pris aussi deux semaines de vacances parce que ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas eu. Donc voilà. Et ça nous attriste un peu quand il va partir. Je pense qu'on va être tous un peu tristes. Ça va nous manquer, quoi. Tu vas trop nous manquer, Julien. Oh, mais toi aussi, Nils. Aujourd'hui, je me rends au Resto du Cœur de Montpellier, donc à l'association, puisqu'il y a quelques jours, avec Tim, on a décidé de faire une association au Resto du Cœur pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Et je les avais contactés et ils m'ont demandé de venir me présenter. Donc j'ai décidé d'y aller aujourd'hui. Oh!
Bonjour. Bonjour madame. Alors, je m'appelle Clémentine Boissier, je suis influenceuse et maman de 4 enfants. D'accord. Et j'ai décidé de participer à une association Resto du Cœur. Alors là, voici donc les jus d'orange, jus de pomme, gâteau, confiture. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Je suis prise.